Wesh les potos, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui les mecs, nouvelle vidéo sur FIFA 22 comme d'habitude. On va parler de la carte de Robinson, voilà le défenseur américain qui joue à... J'ai pas envie de dire une connerie les mecs, franchement j'ai pas envie de dire une connerie. Atlanta, wesh, voilà. Atlanta United les mecs. Donc voilà, on va dire comment faire sa carte le plus facilement et le plus rapidement possible en combinant plusieurs défis. À la fin, si possible, je vous montrerai une équipe à faire. Sinon, voilà, si je vois qu'il y a trop de restrictions, demande des joueurs et tout, je vous dirai de venir sur mon Insta et moi, vous direz les joueurs que vous avez. Vous ferez une équipe par rapport à vos joueurs. Donc voilà, les mecs, si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, surtout pour ne rien louper sur les cartes objectives qui vont sortir. Je pense notamment les mecs, je le répète, à demain il y a des footboard day, il va sûrement avoir une carte objective qui va sortir. Et moi du coup je vais vous dire comment la faire le plus facilement et le plus rapidement possible en combinant plusieurs défis. Et je vais vous donner une équipe à faire. Voilà tout simplement les mecs, donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche tout simplement. Dites-moi aussi si en commentaire vous allez faire ce genre de fondation MLS. Moi je trouve que c'est plutôt sympa, j'ai envie de les faire moi les mecs. Donc du coup on est parti pour le premier défi, finesse en folie. Finesse en folie, marquer 8 buts en finesse dans clash équipe au niveau semi-pro minimum ou rival. Donc vous allez jouer soit en clash équipe soit en rival, mais moi je vous conseille quand même clash équipe au moins sur rapide, voilà, même si c'est un peu long clash équipe. Vous allez marquer 8 buts en finesse, simplement les mecs. Quoique pour ce défi là, rival c'est mieux, je vais pas vous le cacher, c'est mieux. Parce qu'on vous demande pas de joueur ou quoi, donc c'est mieux. Marquer 8 buts en finesse, donc les buts en finesse, vous savez les mecs, je vais vous montrer un de deux. Et pour ceux qui jouent avec les touches classiques, c'est ici, R1, ça c'est les touches en finesse, après tous ceux qui jouent en mode PES. Les gars, je peux rien pour vous, je connais pas ces touches. Voilà, mais en tout cas, les tirs en finesse, c'est les enrouler. Et vous tirez avec ça, et vous marquez 8 buts comme ça, et vous allez gagner le petit défi. Et vous gagnez, du coup, le premier joueur à récupérer. Donc, Get, je sais pas comment ça se dit, mais Get, le milieu central américain qui joue, je sais pas où, voilà, il joue en MLS en tout cas. Et vous allez le récupérer, et franchement, une belle carte. Après, voilà, je sais que c'est pas trop jouable non plus. Mais c'est plutôt pas mal. Donc, voilà pour le premier défi. Deuxième défi, les gars, en profondeur. Adresser 8 passes décisives, 8 passes en profondeur décisives avec des joueurs de MLS, donc le championnat américain, dans clash équipe au niveau pro minimum ou rival avec au moins 7 joueurs de MLS, excusez-moi, parmi les titulaires. Donc il faut tout simplement adresser 8 passes en profondeur décisive. Donc vous appuyez sur triangle, je vous montre encore une fois pour ceux qui jouent un classique. Et ici les gars, voilà, triangle, c'est ici. Ça c'est des passes en profondeur, voilà, à partir de l'attaquant. Vous en adressez 8 comme ça. Dans clash équipe ou alors dans clash équipe au niveau pro ou alors en rival comme vous voulez, avec au moins 7 joueurs de MLS parmi les titulaires. Donc voilà, on va valider déjà les deux défis. Il va falloir jouer, si vous voulez jouer en rival, il va falloir jouer avec une équipe d'MLS. Et c'est très compliqué pour ceux qui ont une belle division. Donc je vous conseille clash équipe en vrai les mecs, je vous conseille clash équipe, voilà. Vous allez adresser 8 passes en profondeur avec des joueurs d'MLS, au moins 7 dans les titulaires en tout cas, au niveau pro minimum. Et vous allez gagner le deuxième défi, un pack jouera en noté 75+. Pour valider les deux défis en même temps, pendant que vous allez marquer vos 8 buts dans clash équipe, dans ce petit faire un match, vous allez adresser vos 8 passes D en profondeur. Donc par exemple, je prends un exemple, vos 8 buts en finesse, ben, les passes en profondeur, ça sera les passes D, ça sera des passes en profondeur. Voilà. Comme ça, à un match, vous jouez en pro, du coup, les deux, contre une équipe pourrie, les mecs contre une équipe bronze. Les deux matchs, vous les jouez en pro et vous faites à un match 8 buts et 8 passes D en faisant des passes en profondeur. Tout simplement, les mecs, c'est plutôt facile à faire. Troisième défi, marquer de loin, marquer en dehors de la surface avec des joueurs de MLS dans 5 matchs clash équipe différents au niveau pro minimum au rival avec au moins 7 joueurs de MLS parmi les titulaires. Donc du coup très simple les gars, marquer en dehors de la surface ou marquer en dehors de la zone du gardien avec des joueurs de MLS. Donc je vous conseille quand même de faire 11 de joueurs de MLS les mecs, au moins vous ne voilà, vous cassez pas la tête, 11 joueurs en MLS. Dans 5 matchs clash équipe différents, donc il va falloir faire minimum 5 matchs du coup au niveau pro minimum, voilà, avec au moins 7 joueurs de MLS parmi les titulaires. Voilà, je vous conseille quand même de jouer avec que des joueurs de MLS les mecs. Donc pour valider les 3 défis en même temps, vu que vous allez devoir faire 5 matchs clash équipe minimum, pendant ces 5 matchs, quand vous allez marquer en dehors de la surface bien sûr, vous allez aussi adresser des passes en profondeur décisives et des buts en finesse, voilà, tout simplement les mecs. Donc en 5 matchs vous allez le faire largement. Dès que vous avez terminé le troisième défi, vous allez gagner le petit Moreno, milieu central argentin de l'Atalanta du coup, lien vert avec le petit Robinson. Et du coup, bah, franchement, c'est des cartes gratuites en vérité. Foncez les mecs, franchement, quand vous avez du temps libre, faites-les en vrai de vrai parce que c'est plutôt pas mal. Quatrième défi et dernier défi du coup, la MLS en force. Championnat éclaté les gars. Remporter 8 matchs en clash équipe au niveau pro minimum ou rival avec au moins 7 joueurs de MLS parmi les titulaires. Donc les mecs, très facile aussi encore une fois. Vous allez devoir remporter 8 matchs dans clash équipe au niveau pro minimum ou rival avec au moins 7 joueurs de MLS parmi les titulaires. Donc on sait déjà dorénavant que finalement vous allez devoir faire au moins 8 matchs clash équipe. Voilà.
Donc là, vous allez gagner, excusez-moi, un pack joueur noté 75+. Donc les mecs, pour valider les 4 défis en même temps, je vous conseille, hein, jouer en classe équipe au niveau pro minimum. Voilà, au niveau pro. Vous jouez contre que des équipes pourries. Des équipes bronze, voilà, des notes de merde et tout. Voilà. Pendant que vous allez remporter vos 8 matchs classe équipe, vous allez marquer des buts en dehors de la surface en enroulé. Comme ça va valider ce défi-là en même temps, parce qu'il vous faut une finesse. Et vous allez adresser pendant ces 8 matchs, pendant ces 8 matchs, des passes décisives en profondeur, tout simplement. Et les mecs, dès que vous allez arriver à ces 8 matchs, vous allez valider les 3 défis en même temps. Et dès que vous avez fait vos 8 matchs, vous allez gagner le Robinson. Tout simplement, les mecs. Donc, c'est très facile à faire. C'est juste un peu chiant. Voilà, tout simplement. On va analyser la carte de Robinson en vrai de vrai parce qu'elle m'intéresse. Pas de mauvais pub pour un défenseur, c'est excellent. Moyen, moyen. Ok, il a pas le levant de défense, mais c'est pas problématique. Il est assez grand, donc c'est plutôt pas mal. On va voir l'agilité aussi. Oh, les mecs, agilité 88. Pour un mec qui fait 1m88. Franchement, c'est incroyable. Il a pas mal d'équilibre aussi. Il a une bonne réactivité. Incroyable. Une très très belle vitesse. Il défend très très bien. Il a une très belle force. Le mec, il est incroyable en vrai de vrai. En tout cas. C'est que sa carte là, elle est incroyable, mec. In-game, je sais pas. Mais en tout cas, je vous conseille vraiment de la faire parce que c'est une très très belle carte. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez une équipe pour le petit Robinson, les mecs, parce que voilà, il vous faut des joueurs. Dites-moi qui vous avez dans votre club, tout ça. Et si vous voulez que je vous fasse une équipe par rapport à vos joueurs de vos clubs, eh ben venez sur Insta, vous me contactez, vous m'envoyez un message. Et je vous fais ça, les mecs, je vous fais une équipe vite fait. Au presto, et voilà, les gars. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao, les gars.